Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui après un très long moment sur Dragon Quest 4. Alors pourquoi je dis très? Parce que tout simplement pour moi, eh bien ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas tourné de Dragon Quest, de Technomage. Alors j'ai tourné une petite vidéo sur mon avis sur Black, mais bon, hein, on va pas dire que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et puis voilà, et puis pas grand chose de plus. Donc aujourd'hui on va continuer notre aventure, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Je suis en pleine forme après être allé à Art to Play. C'était vraiment magique les amis, vraiment, si vous avez des conventions que vous voulez aller voir comme Art to Play, des petites conventions, hein, pas comme Japan Expo ou des trucs comme ça, parce que vraiment, c'est vraiment énormissime. Alors, ok, donc on doit aller voir les monstres. Attends, c'est bizarre. Ah, est-ce qu'on a... Mais si, on a un bateau, je suis con. Mais oui, on a un bateau, je suis trop con. Oh là là. Je suis très con. Alors, on va... Ah, par contre, c'est chiant, ça, y a rien qui indique où est la... Où est la... Y a rien qui indique où est le bateau. C'est embêtant ça. Ok, une chance qu'en steppant, on l'a. Merde. On va aller dormir. Ah mais non, c'est là. Donc maintenant, direction un nouvel endroit. Voilà. Ah oui, vous attendiez à de grands trucs et tout, et en fait pas du tout. Alors, on va en profiter pour voir la carte. Non ! Ah oui, par contre, on peut pas aller là, enfin au centre là où il y a la croix, puisqu'en fait il y a un... Voilà, il y a des montagnes tout autour. C'est ça, il y a des montagnes tout autour. Attendez, on peut pas voir ? Mais si, on peut voir. Attendez. Pourquoi ça veut pas me mettre ? C'est où ? Firmware. Display. Advanced. Contrôle. Contrôle. Start. Select. Bah oui, pourquoi ça veut pas me mettre ? Bon bah tant pis, ça veut pas. Ah mais c'est parce que c'est ni start ni select. Je viens de me souvenir. Je viens de me souvenir. Alors, Keito, tu vas attaquer le champimage. Toi, tu vas attaquer le scorpion d'assaut. Toi, tu fais super bang. Et puis toi, tu vas détruire le... Voilà, parce qu'on est... Ah bah non, ok. Ah pardon. Bam, bam, bam. Ah pardon. Excusez-moi, je pensais on était un peu moins fort quand même. Du coup, oui, en fait, c'est... Voilà, c'est ça. Ok, puis il y a bien des... Ok, excusez-moi. Hein, c'est la prise en main. C'est la reprise en main. On va excuser ça comme ça. Mais putain. C'est difficile. C'est difficile. On va dire ça comme ça, s'il vous plaît. Soyez consciencieux. Pensez un petit peu à moi. Hein, je reviens, j'ai pas tourné depuis 2 semaines. Enfin, du Dragon Quest, j'ai pas tourné depuis 2 semaines. C'est beaucoup. C'est énorme. J'ai... Les seules fois où j'ai aussi peu... Enfin, où j'ai eu autant de temps où j'avais pas tourné, c'est quand je faisais tout simplement des pauses. Tout simplement. Et Et ouais. Je pensais pas que... Voilà. Vous m'avez compris. Bref. En tout cas...
J'espère que vous, vous allez bien, parce que moi, j'ai la patate, la pêche, le haricot, l'ananas, tout ce que vous voulez. Ok, donc normalement, je sais plus si c'est ici, non, ici c'est, oui, bah de toute façon, tu me diras, on peut atteindre les deux, peu importe où on est. Parce qu'on va aller au château d'Alina. Et du coup, le château d'Alina, ben, faut le retrouver. Ouais, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est quoi ces monstres, s'il vous plaît? Oh là là, la honte. Donc normalement, il y a le TP ici. Voilà, qui nous permet de traverser la mer. Et fuck! Heureuse, vous êtes sain et sauf. C'en est fini de ma vie. J'espère que vous trouverez une Psarolex et un miniateur. Et que le star est lui aussi indemne. Arc, je prie pour que la chance vous accompagne. Oh, l'enfoiré. Ah, le chien. On va aller chercher le bateau et on va devoir faire demi-tour. Hein. Enfin, on va devoir faire le tour. Putain. Ah là, j'ai la haine. Je pensais on était bien et tout. Tu parles, wesh. Alors, Alina, elle est vraiment trop forte. C'est ouf comment elle est super forte. Ouah, j'ai perdu 16 points de vie. Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Elle est super forte, Alina. Oh là là. Oh! On ira ici. Bon, bah, trop tard. C'était un appel du destin en fait. Oula, non, ça sent une prochaine. Oula, ça. Vous savez, il y a des trucs comme ça quand vous arrivez, vous faites. Ah oui, non, ça sent. Ouais, non, faut pas aller là. Comme ça, hein, comme ça. Comme un toutou. Ouais. Comme ça. Ah ouais, je jure, hein. Juré. Donc ça c'est le truc des elfes normalement. Et normalement ici il y a le bateau, le château. Il y a le bateau aussi, hein, puisqu'il va être garé, mais. Et du coup, on se souvient lors du troisième chapitre. Eh bien, comment dire, les gens avaient disparu. Vous vous souvenez? Ouh, on a quelqu'un qui monte de niveau. Et c'est qui? Oh, c'est Mina. Parfait. Bon, c'est sympa. C'est, voilà, quoi. C'est pas oufissime, mais... Est-ce que il y a toujours personne? Il y a des monstres. Hé, hé, ce gâteau nous appartient... Ce sato nous appartient. Sa moxva est à nous, les monstres. Et... Daiken, c'est le nouveau souverain. Bon, on va lui mettre une branlée à Dakens. Espèce de silly humain, c'est mon castel maintenant. Oh, j'ai comme un feeling de déjà vu. Les filles de Mahabala, c'est ça? Quelle joie de vous revoir, again. Et cette fois, on va t'éclater la gueule, mon gros. Vous reconnaissez me? It's moi, Dickens. Sauf que je suis encore plus fort maintenant, et désormais on m'appelle Dakens. Admirez le résultat de mon incroyable évolution. J'ai presque le pouvoir d'un dieu. Il n'y a que non sous cette forme, je suis même le plus fort que Tsaro, l'exterminateur himself. Écoutez, Carl Foley, les gamines, je sais que votre père vous manque, vous allez bientôt le rejoindre. Bon. Ok. Alors, Dexen approche. Alors, toi, t'as quoi en magie? Torpleur, Cocorico, Immoblindage. On verra si on a besoin. Pour le moment, t'attaques. Toi. Bah, toi, tu vas attaquer. Toi, tu peux faire quoi? Super Blanc, Super Flamme. Bah, Super Flamme. Et toi, t'as pas de sort, donc. C'est con que j'ai pas de.
Oh là 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 là. Non, je pense que je dois avoir un sort qui... Ouh. Ouh là 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 là. Soin partiel sur notre ami ici. Toi, est-ce que t'as pas... Mais c'est qui a... Altération, voilà, c'est toi. Oh là 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 là, comment il a fait trop mal. Oh putain, il n'est pas affecté. En fait, j'aurais pu... En fait, on va faire soin partiel. On va réussir en altération en espérant qu'il marche. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Oh là 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 là. Ah, oh là 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 là. Ok, on va faire soin partiel sur toi. Toi, tu vas faire soin partiel sur toi. Non, toi tu vas super flamme. Oh là là. Souffle frais, ça devrait faire. Ouais, voilà, ça fait pas trop mal, ça va. Et ensuite, il va attaquer. Soin partiel sur moi, soin partiel sur toi. Super flamme et une attaque. Alors par contre, on va changer l'une des deux. Parce que clairement, il me faut quelqu'un qui puisse nous buff et nous debuff rapidement. Ou debuff l'ennemi, enfin. Il faut quelque chose parce que là, le fait qu'on puisse pas se buff, c'est un gros souci. C'est un très très gros souci. Oh, je pense qu'il est bientôt mort. Ok, c'est bon, on l'a battu. Ouh, il était chaud. Et on a gagné 6500 XP. On est passé niveau 23. On a appris le super bang, pas mal. Je pense que Maya est passée niveau 26, ouais, c'est ça. Et on va avoir Alina. Et peut-être les autres membres du groupe aussi qui vont monter. C'est ça, niveau 24. Ouais, c'est ça, on a tout le monde qui monte. Mais par contre, va vraiment falloir qu'on change. Oh, on a Ranir qui est que niveau 18. La fouille. La fouille. Tornéco est passé de niveau. Et ok. No, say it's impossible. Rien ne peut surpasser l'évolution que j'ai subie. Le secret de l'évolution me permettra de survivre. De sur. Ah! Bon, bah voilà. Cette expérience a officiellement échoué, ce doit en informer le seigneur Psaro. On dirait bien qu'il faut le brassard étincelant pour exploiter le secret de l'évolution. Seul le brassard étincelant peut suffisamment amplifier l'énergie maléfique. Une fois que nous serons en possession du brassard étincelant, le secret de l'évolution sera tout à nous. Et notre heure viendra enfin. Ce sera l'ère. Ouh, excusez-moi, ce sera l'ère des monstres. Aha. Bon. Alors du coup, on va quand même changer la composition de l'équipe, mais avant, je vais voir un truc. Altération. Décuplo. Ouais, c'est lui qu'on va prendre. Pourquoi? Simplement parce qu'il a altération, il a décuplo, et il n'a pas de sort de soin. Hein. Non, et en plus, il a méga altération. Du coup, je réfléchis, hein, je réfléchis. Déjà, on va mettre toi. Et ah merde, y a pas tout le monde. Ah d'accord. Je réfléchis à comment on va faire. Hein. Les amis, je vous le dis. Donc là, on obtient une flûte de révélation. Donc là, on va obtenir un autre truc, une graine de force.
Et ici, on obtient un bâton de lave. Parfait. Ok, alors, donc, le bâton... Alors, la graine de force, on va se la donner. Mange. Voilà. Du coup, c'est toi qui as le bâton. Alors, transférer, donc 0, ça augmente de 30. Ça augmente de 39. Ouais, 39. 0. De 30. Et de 39. Alors, vu que pour le moment, on garde cela, je me dis qu'il vaut mieux leur donner. Pour le moment, voilà. Vu qu'on utilise que ces persos-là pour le moment, autant les garder. Mais je vais regarder dans après cet épisode. Là, entre deux épisodes, je regarderai. Mais si les deux filles n'apprennent pas de sort du genre... comment ça s'appelle je vais trouver mes mots, vous en faites pas. Du genre méga altération, décuplot, tout ça, et eh bien c'est tant pis. Je les garderai pas, je les remplacerai par Kirill et Boria. Et parce que faut pas qu'il y ait trop non plus de persos d'un seul chapitre. J'aime bien quand c'est un peu éparpillé et tout. On changera Alina pour Ragnar. Ou pour Torneko. Je sais pas encore. Mais je pense que ce sera plus Ragnar. Parce que Ragnar est beaucoup plus un guerrier. Et puis voilà. Donc maintenant, on part tout en haut à gauche. Voilà. Et je remercie Internet de m'aider parce que franchement, je serais perdu, les amis. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas quand on regarde sur Internet et tout. Mais le souci, c'est qu'avec ce Dragon Quest là, le monde est tellement vaste et grand que ce serait impossible de m'en sortir. Et puis, j'ai trop peu de souvenirs de ce jeu pour me dire, allez, tu le fais de tête, gros. Non, ce serait pas possible. Alors, hop. Voilà. Génial. Et par contre, ils ont masse de points de vie. Ouh, ils font mal. Ils font très très mal. Très 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 mal. Alors, ici. Ici... comment on fait pour monter? Ici... ouais, mais comment on monte? Alors attendez, je pense qu'il y a un moyen, hein. Ça doit être tout con, mais je l'ai pas vu encore. On va faire le tour. Alors, complètement au bout de la montre en haut à gauche. Pour entrer à l'intérieur, vous devez accoster sur un bout de terre et passer les toutes petites montagnes et aller au château. Mais... ah, je crois que c'est là. Non, en fait... ah, faut aller au sud du château déjà. Déjà, je suis pas au sud, je suis au nord. Donc déjà, forcément, ça joue pas en ma faveur. Déjà, pour commencer. Ah, putain. Eh, s'il te plaît, Keito. Hein, dirige mieux ton bateau et puis voilà. D'ailleurs, ce bateau me fait beaucoup penser au 6. Dragon Quest 6, qui est pareil, sorti sur DS, mais qui est une...
Ouais, une re-up de... Ah non, c'est peut-être... Ce serait peut-être là où... Enfin... À gauche. Ouais, à gauche, je crois qu'on est... Enfin, ouais... vous m'avez compris où c'était. Enfin, je pense. J'espère. On verra bien. Ils font super mal. Ils font vraiment très très mal. Qui est monté de niveau? Mina? Ah non, Kirill. Après, le souci avec cette équipe, c'est que je l'aime vraiment bien. Enfin, je trouve elle est bien équilibrée. Et puis, les persos me plaisent. Vraiment. Du coup, j'ai peur qu'en changeant d'équipe, la manière de jouer diffère et que ce soit plus compliqué. Est-ce qu'on peut... Ah, attendez. Est-ce qu'on peut pas faire le tour? Est-ce qu'on pourrait pas faire le tour? Parce que... Hein? Nous, on connaît les petits trucs comme ça et... Ta-ta-tam, tam, tam. Mais si, on peut faire le tour. Oh là 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 là. Je sais pas combien de temps on est, mais je suis sûr que vous devez m'en vouloir d'avoir passé au moins... Merde! Je fais tomber mon téléphone. Non, on va faire ça. Et ça. Fais tomber mon téléphone. Bon, au moins, la truc, elle s'est quittée. Ah, mais non, merde, c'est pas ça. Je voulais aller voir le temps. Voilà. Ok, on a 21 minutes. Attendez, j'espère que ça a rien... Non, c'est bon, ça a rien fait. On est à 21 minutes, donc on va bientôt pouvoir s'arrêter, quand même. On aurait bien avancé aujourd'hui, je trouve. Alors. Pourquoi tu... Si vous pouvez éviter de me causer maintenant, je suis plutôt du soir, moi. Ah d'accord, pardon, excuse-nous. Donc là, on a le... Ok. Donc on va, je pense, y aller. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Parler à l'homme devant lequel vous laisse prendre le radeau. Fouillez-vous. Ok. Donc ça, après... On s'en bat les... Mais putain, comment on fait pour passer les gens? Eh, j'en ai marre. Hein. Ah, mais oui, là! Oh là là, vous êtes venu pour répondre à l'appel du roi? Le four, c'est ça? Si vous êtes. Il faut avoir un radeau et de la chance. D'accord. Un radeau et de la chance, visiblement. Bon, bah écoutez, direction le nord. On va parler au vieux. Parce qu'il a une coupe bizarre. Donc, ai-je raison de penser que vous êtes là pour un. Il a promis une réponse à celui ou celle qui parviendra à déclencher sa hilarité. Voici le château de Camelot. De Canalo. Ok. Est-ce que maintenant qu'on a la flûte de révélation, ça nous permettrait pas de. Ok. Alors, du coup. Faut trouver le roi. Il faut trouver le roi. Et pour cela... Et pour cela... Alors là, je pense qu'on va ressortir à la troisième. Et si on ressort à la troisième, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi vous allez me dire ? Parce que du coup, ça veut dire qu'on a fait un tour et que c'était pas là. Voilà. Bah ouais, écoutez. Hein. Hop. Et du coup, c'est ici. La chambre du roi doit sûrement être en haut. Bingo. Cassez-vous. Qu'est-ce donc? Nous tenons à ce que tout le monde entend. Oh. Je fais bien attention de ne pas raconter mes blagues. Hein. Du coup... Parlez-lui, il cherche quelqu'un pour le faire rire. Mais non, il cherche pas quelqu'un pour le faire rire. Il me dit, ouais, vous devez attendre. D'accord. D'accord, d'accord. Donc on s'en bat les couilles, en fait, de ça. On s'en bat des couilles de lui. On... Voilà.
Ouais, non, mais faut dire la vérité, je pense. À un moment, faut se dire la vérité. Téléportation. Et c'est. Ouais. C'est Tier 42. Tier 42. Ok. Bon, on va faire ce qu'on a à faire et puis on va s'arrêter là. Donc, on a ici, normalement, quelqu'un à aller chercher. Voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc, ça doit être sûrement lui, le gars en rouge. Vous êtes des voyageurs, n'est-ce pas? Eh bien, ne loupez pas, ça va être exceptionnel. Bon! Eh bien, écoutez, les amis, il va falloir qu'on attende le soir. Donc, eh bien, je vais le faire. On va attendre. Enfin, je vais attendre le soir et puis je vous reprendrai le soir. Donc, vous en faites pas. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est important. Moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye!